de jeu de puissance sans qu'il y ait de but. Par contre, là, c'est le but réussi. Réussite de Turcaouf. Zouk venait de retrouver Alatello. Il a pu profiter d'une passe de Kovar. Mais où était donc l'arrière-garde lausannoise? Alors, il y a eu cette intervention peut-être un peu litigieuse le long de la bande. Mais quand même, on s'est laissé complètement piéger. Et Turcaouf ouvre la marque. Troisième but de la saison pour lui. Barberio, le peu qui est là, but! Incroyable, les Lausannois marquent en supériorité numérique. Il aura fallu 3 minutes et 28 secondes aujourd'hui pour marquer. Et si l'on additionne ces 3-28 avec les 37-45 de supériorité numérique, 37 minutes 45 sans marquer, on arrive à plus de 41 minutes sans but. Et il aura fallu cette réussite de Josh Joris. Est-ce que c'est sa première en supériorité numérique? Kovar, Hoffman, Martini. Oh, ça rentre! C'est but. Apparemment, il n'y a pas de discussion. Le puck est allé heurter la barre intérieure. Les arbitres vont contrôler quand même. Mais visiblement, il n'y a pas de doute chez personne. Et si c'est un but pour Martini? Lindberg qui vient buter sur Stéphane, et il y a l'arrivée derrière d'un coéquipier. C'est Senteller qui marque le 3-1 au moment où la punition allait tomber. 31-45. Deuxième but en supériorité à 7 secondes du retour de Froidevaux, substitut de Douai. Le gardien qui fait le premier arrêt et puis n'arrive pas, il voit passer le puck sur ou sous son bras, il n'arrive pas trop à déterminer. Mais enfin, c'est goal, c'est clair. Stéphane, il faut pouvoir dégager. Allemand ne joue pas bien là. Pas bien du tout même, et c'est 4-1. Tout est parti de cette erreur de Cody Allemand dans l'arrondi. Et ça semble passer entre les jambières du malheureux Tobias Stéphane. Dario Simeon, c'est lui qui est le meilleur buteur, c'est bien ça. Pas marqué depuis le 14 novembre.